Salut pirates, j'espère que vous allez bien. Le mardi, moi, ça va bien parce que c'est veille de sortie de formation. Demain, une nouvelle formation, on va se régaler. Cette semaine, on termine, on est dans le flow, on est dans le flux, on est à fond. Vous avez beaucoup aimé cette formation cette semaine. Car effectivement, savoir se mettre dans le flow, hein, permet chaque jour davantage de se sentir mieux et d'augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc, toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Bruno se calme. Et aujourd'hui, on va parler de trois erreurs qui vont vous faire paraître faible dans le fait que votre conjoint en crise ne veut pas revenir et ne voudra pas revenir parce que vous montrez des signes de faiblesse, en quelque sorte, certains types d'interdits. On va voir les trois principaux, enfin, on va voir trois aujourd'hui qui sont marquants. Et quand vous avez des bébés pirates, vous faites souvent ces mêmes types d'erreurs. Évidemment, l'épidémie de divorce, même s'il y a des diminutions, est toujours là, hein. Vous savez que vous avez des amis autour de vous qui divorcent et vous constatez souvent que celui qui n'est pas en crise commet beaucoup d'erreurs, notamment les trois là que je vais vous dire aujourd'hui. Et si vous voulez faire en sorte de... Alors, il y a quand même 60% des couples qui reviennent ensemble, qui restent ensemble, etc. Donc c'est la majorité. Donc si vous avez compris comment on passe à ces moments-là, eh bien vous serez certainement avec une belle probabilité d'aller 60%. Avoir des taux de divorce, des statistiques de divorce élevées, hein, ne fait pas dire que le couple est mort, au contraire, ne fait dire qu'effectivement, maintenant, il faut s'y mettre et que si on arrive à bien fonctionner ensemble, eh bien, il y aura des chances d'y arriver. Quand on connaît les règles de fonctionnement du couple, la société, la religion ne propose plus le couple, donc les divorces, hein, viennent du fait que souvent, au moins les deux, enfin, j'allais dire au moins les deux, en tout cas, les deux personnes ne connaissent pas les règles de fonctionnement du couple. Imaginez que aucune des deux personnes ne sache conduire la voiture, eh bien évidemment, il y aurait des difficultés à conduire la voiture. Si au moins une des deux personnes sait, ben on y va. On se met et on conduit la voiture. Si le couple n'est pas fait pour réussir, eh bien, il ne passe pas la lune de miel. S'il a passé 5, 10, 15, 20 ans, c'est ensuite une question de méthode. Hein. Et la méthode, ça s'apprend. Heureusement que vous êtes là et que vous avez la grinta des pirates pour vous aider. Alors, l'un des mythes qui fait que vos amis n'ont pas récupéré votre conjoint, souvent, c'est que leur conjoint, c'est que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans un groupe, il faut communiquer. Ça, c'est un premier poncif. C'est peut-être vrai, hein, mais oui, il y a du vrai évidemment. Mais ça, c'est quand la relation, elle est déjà solide, qu'il y a beaucoup d'amour, de confiance, de respect, qu'on est déjà en phase 4 du couple, ou que l'on est en lune de miel et qu'on apprend à se connaître. Mais quand la relation va mal, c'est pas une communication à outrance où il faut tout se dire, hein, où on va mettre beaucoup d'empathie, que ça va arranger les choses. Ça va plutôt mettre du désespoir. Donc communiquer vos sentiments fondamentaux dans la relation quand elle boite parce que votre conjoint est en crise est une erreur, hein. Et souvent les personnes qui ont divorcé ont voulu trop communiquer finalement, hein. Il faut qu'on fasse une thérapie de couple même, ça arrive, et quand on fait une thérapie de couple alors que le couple va mal, c'est bête à dire, mais ça le jette dans un précipice évidemment, hein, puisqu'on va si le thérapeute fait son métier, qu'il va inciter les personnes à donner leur grief et ça va faire exploser la situation puisqu'on va finir par se critiquer. Si vous voulez aller voir un thérapeute de couple, hein, je vous rappelle, vous n'y allez que si vous avez un objectif commun, par exemple améliorer la situation, monsieur le thérapeute de couple, on va vous expliquer comment on fonctionne et on va vous demander un conseil pour mieux fonctionner. Là, ça va. Mais si c'est pour y aller pour laver le linge sale et se disputer, hein, vous allez évidemment rater votre thérapie. Donc la communication n'est pas forcément la meilleure des choses, hein, que vous pouvez mettre en avant quand le couple n'est pas encore assez rétabli, plus tard certainement. Lorsque l'un des deux membres du couple, votre époux, votre épouse, a des griefs contre vous, chaque fois que vous allez communiquer, vous allez finalement renforcer ces griefs, puisqu'il y a des chances que ça termine mal, puisque votre conjoint va vous déverser des choses sur vous, etc. Donc, si vous voyez finalement
comme votre épouse, comme quelqu'un qui vous fait, ou votre époux, hein, quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui est pas bien, ou c'est pas normal, vous faites votre auto-victime, hein, vous auto-victimisez, vous avez une formation pour en sortir, et bien finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez passer pour quelqu'un de faible par rapport à votre conjoint. Si vous voulez toujours communiquer, si vous voulez toujours rassurer, si vous voulez toujours montrer que vous êtes quelqu'un de bien, un gentil garçon, une gentille fille, eh bien vous allez paraître comme faible, et votre conjoint qui est faible par sa crise existentielle a besoin au contraire de quelqu'un qui est fort. Donc c'est pour ça que la communication à tout craint pendant une crise existentielle d'un conjoint, pendant une crise de couple, n'est pas obligatoire, hein. En revanche, dès que vous avez des contacts avec votre conjoint, hein, que ce soit par téléphone ou en face à face, votre obsession, c'est de passer un bon moment ensemble. Donc, au lieu de vouloir communiquer en position de force pour, entre guillemets, manipuler avec les lettres magiques ou les phrases, le fume-moi, je te suis ou je ne sais quoi, vous allez chaque fois avoir pour obsession, à chaque étape, on passe un bon moment ensemble, et petite étape par petite étape, vous avez une formation sur la méthode des petits pas qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. C'est une version longue, hein, cette méthode des petits pas, il y a plus de 3 heures. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans la méthode, dans la partie méthode. La méthode des petits pas après petit pas, petite étape après petite étape, bon moment passé après bon moment passé, vont faire que vous allez renverser à nouveau la situation. Mais vouloir communiquer à tout craint sur vos sentiments, sur vos peurs, sur vos craintes, etc., ça s'appelle la psy rose, la psychologie à l'eau de rose. Ça marche quand le couple tout va bien, plus ou moins bien, mais quand ça marche très mal, quand le couple ne va pas déjà bien. Deuxième mythe, c'est vouloir reconquérir en faisant plaisir, en faisant notamment des cadeaux. Alors, pas simplement des cadeaux matériels, hein. Si vous avez fait la formation le langage de l'amour, vous saurez qu'il n'y a pas qu'un type de cadeau, mais qu'il y a des multiversions du cadeau, hein. Je vous laisse découvrir. Ça va beaucoup plus loin que ce que Chapman avait dit dans son bouquin, les lois de l'amour. Si vous voulez acheter par des services rendus, par des faux moments de qualité, etc., vous aurez une relation qui va être basée sur la malhonnêteté. Et si vous avez une relation qui est sur la manipulation, la malhonnêteté, que ce soit offrir trop de cadeaux, faire des silences radio, tout ça vous rend malhonnête, hein, puisque vous faites des choses non pas parce que vous pensez que c'est bien, mais pour récupérer l'autre, pour le manipuler. Quand une relation est mise sous la forme de la malhonnêteté, elle va exploser à long terme. C'est pour ça que je vous déconseille totalement le silence radio, les lettres magiques, ces choses-là, parce que ça vous fait exploser votre couple. Un couple ne doit pas être basé sur la malhonnêteté, mais sur l'honnêteté. Donc sur votre travail sur vous, sur votre remise en question, sur votre désir de comprendre les besoins de votre conjoint, de les mettre en application, et vous aurez ensuite, une fois que vous aurez rempli les besoins de votre conjoint, vous aurez évidemment votre conjoint qui va se faire un plaisir de remplir vos besoins pour que vous continuiez à remplir les siens. Et là, on tombe dans une relation honnête, hein, honnête et complète, c'est-à-dire que dans un couple, on est là parce qu'on est mieux que tout seul, on sacrifie un peu de liberté parce que l'autre répond à nos besoins, et là, on est dans une relation saine, hein, de besoins où chacun accomplit une partie des besoins de l'autre ou aide l'autre à réaliser ses besoins. Il y a des besoins qu'on peut faire tout seul, et il y a des besoins on est obligé d'être avec d'autres personnes, hein. Notamment, on ne peut pas se surprendre tout seul. Voilà, on peut se donner du plaisir tout seul, mais on ne peut pas se surprendre tout seul. Et puis le dernier mythe, c'est de trop se soucier de la personne, hein. Si on se soucie de la personne, des fois vous me dites en coaching, est-ce que vous croyez que, mais moi je ne veux pas qu'il se fasse mal, il souffre beaucoup trop. Ben, chacun est responsable de ses souffrances. Évidemment, aujourd'hui, il suffit de prendre une formation et on comprend beaucoup de choses. Donc si votre conjoint ne prend pas le temps de s'informer et de se former, il va souffrir évidemment, elle va souffrir évidemment, mais ça, c'est tant pis pour lui, tant pis pour elle. Aujourd'hui, on a les outils. Si je souffre parce que je ne parle pas anglais, bien, je vais parler anglais, je vais apprendre à parler anglais, je vais prendre une formation pour parler anglais. Si je souffre et que j'ai la quarantaine, je vais un peu me renseigner, je vais voir qu'est-ce que c'est la crise de la quarantaine, et je vais prendre une formation pour passer la crise de la quarantaine, par exemple. Hein, je vais prendre un coaching. Il y a 20% de mes clients qui m'appellent pour que je puisse les aider à passer cette crise de la quarantaine. Donc, trop se soucier de l'autre ne fonctionne pas.
passer juste du bon temps, penser à passer juste un bon moment. Après, vous savez que votre conjoint va souffrir, d'abord parce que la crise existentielle fait souffrir, et parce que si on ne travaille pas sur soi, ça fait souffrir aussi. Mais ça, vous n'y pouvez rien. Mais en revanche, quand la personne est avec vous, vous êtes son phare, vous êtes la personne qui est bien avec, et la personne qui va permettre à votre conjoint de se dire, heureusement que lui, il est là, heureusement qu'elle est là, parce qu'avec lui ou avec elle, au moins, je me sens compris et on passe des bons moments. Donc, ça ne sert à rien de lui dire combien vous l'aimez, de créer des soirées de rendez-vous régulières et de vouloir insister pour que ça se passe, vouloir toucher, vouloir avoir de l'intimité, laisser des petites notes autour de la maison, rendre des services au moindre moment. Est-ce que tu peux me garder les enfants ce soir parce que moi je vais sortir voir Pansement? Voilà, vous n'êtes pas obligé tout ça, hein, ça ne vous mène à rien. En tout cas, retenez que si vous vous montrez faible, vous n'allez pas rassurer votre conjoint qui se sent faible pendant sa crise existentielle. Donc les trois points hein, que vous allez que les personnes qui ont divorcé font très souvent, hein, c'est de rendre trop de services, de se montrer trop soucieux de la personne, d'évidemment de trop communiquer, évidemment, parce que si on communique pendant des moments où c'est pas le bon moment, eh bien, on va boiter. Et évidemment, le fait de vouloir faire des cadeaux, d'acheter, d'aller dans la malhonnêteté, hein, dans la malhonnêteté, étant des moments effectivement où on fait des choses contre nature, non pas parce qu'on pense que c'est bien, mais c'est parce qu'on a mal-être et qu'on veut récupérer la personne. Voilà d'où ça vient. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook pour voir quels sont vos commentaires du jour. Hein. Je vais les piocher dans l'ordre d'arrivée. Et puis on va voir ce que vous racontez aujourd'hui. Et puis je vais du coup en faire un petit débriefing ici. Vous vous régalez quand je parle de vous. Et vous avez raison. Je vous kiffe les pirates parce que vous changez le monde autour de vous. Hein. Je vais découvrir en même temps les messages que vous m'envoyez. Mais en tout cas, avant tout, je veux vous remercier parce que ce que vous apprenez et ce que vous mettez en application change le monde autour de vous. Vous devenez des exemples, des phares. Et non seulement vous êtes mieux dans votre vie, vous êtes la meilleure version de vous-même, vous multipliez les chances de revenir ensemble, mais vous êtes un exemple pour les personnes autour de vous. Moi, j'adore quand vous me rapportez. On m'a encore dit aujourd'hui, je ne sais pas comment tu fais, tu es exemplaire. Voilà. Bon, en revanche, les personnes qui n'ont pas réussi à récupérer leur conjoint, ce n'est pas généralement ce qu'on leur a dit. Allez, un message d'Arwen donc sur le groupe Facebook. Alors le groupe Facebook, si vous voulez le rejoindre, hein, vous avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 110 formations, vous avez le lien pour aller sur Facebook et le lien pour aller sur le canal Telegram des Pirates où tous les jours je vous mets des audios pour vous donner la grinta, des vidéos, on partage des mèmes, les pirates, beaucoup moins seulement, je ne sais pas d'où ça vient, m'envoient des mèmes sur mon WhatsApp et je les mets sur Telegram pour vous donner la patate, la grinta. Des fois c'est des vidéos, des fois c'est des textes. Hein, c'est un lieu de ressources où quand vous avez un coup de blues, eh bien, vous pouvez aller voir et je réponds aussi aux commentaires de Facebook et sous les vidéos YouTube. Hein, j'y réponds également sur Telegram. Arwen nous dit, salut les pirates et notre cher capitaine, quand j'étais petite, mon grand-père m'appelait la princesse d'Aigmul, c'est le phare du sud au Finistère. Aujourd'hui, je fais tout pour lui faire honneur en étant ce roc lumineux. Oui, hein, on peut écouter les conseils des grands-parents et des personnes qui ont de la sagesse. Dommage pour Criseux qui n'est pas là pour le voir. Ben, quand il va revenir, ben, il constatera le changement, comme on dit chez les pirates qui ont travaillé. Hein, je vois que tu as changé, mais c'est trop tard. Et ensuite, la phrase magique plus tard, hein, heureusement que tu as été un roc, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et aujourd'hui, on est très heureux ensemble. Je continue d'entretenir cette lumière, oui, faites-vous plaisir, hein, car ça me fait du bien et que ma famille et mes amis, mes collègues en profitent. Soyons optimistes et courageux, force à vous les pirates. Eh bien, vous voyez, quand on est un phare, eh bien, on va tirer les bateaux, enfin, on va guider les bateaux. Quand on veut, si on veut attaquer les bateaux pour les détruire, pour les manipuler, eh bien, on va avoir des fortes réticences. En revanche, quand on est un phare, hein, les bateaux vont utiliser le phare pour rentrer au port. C'est une belle métaphore que nous a donnée Arwen, la bretonne. Annabelle, bonjour à tous, petite question, j'ai l'impression désagréable. Bon, dès que vous mettez j'ai l'impression désagréable, vous devez dire à votre cerveau, au revoir président, tu me saoules. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir demain. Est-ce que vous pensez que ça a une influence quelconque sur la météo? Non. Bon, alors, j'ai l'impression désagréable que mon,
crise ment de plus en plus. Oui, vous avez une formation sur le mensonge, comment détecter le mensonge et comment réagir face au mensonge. Je découvre votre compte joint par un achat de 60 euros de SNCF, kilomètre compteur de la voiture, dépense d'essence, une carte au boulot sans retrait sur le compte. Il y a Cerise qui passe en hélicoptère, donc je vais faire une pause. Salut Cerise. Ah Cerise, allez, tous les matins on boit le café ensemble. Ce n'est pas vraiment caché, mais je le découvre sans chercher. Oui, ben, vous avez, vu, sans chercher avec toutes les précisions qu'il y a. Cela indique-t-il qu'il perd pied, que le mur approche. Vous voyez, Annabelle, je suis obligé de vous tirer les oreilles, et les autres pirates, je ne sais pas s'il y a des réponses aux commentaires, oui, il y en a 11, ont dû déjà vous tirer les oreilles. Comment voulez-vous poser une question Alors, je réponds, si elle indique qu'il perd pied, que le mur approche, hein, je suis flippé. On ne connaît pas votre mari, on ne l'a jamais rencontré. Vous dites, vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais rencontré. Et qu'est-ce qu'il pense là? Bon, donc, vous voyez, j'avais détecté dans les premiers mots, j'ai l'impression que vous êtes perdu, Annabelle. Hein? Il ne me parle toujours pas de changement de maison, aucune vente. Juste le dit quand je vois mes parents, dis-leur merci de votre aide. Bon, ben, on va vous aider, mais c'est vous qui allez vous aider. Hein. Il faut y aller, Annabelle. Maîtriser vos pensées, vos émotions. Apprendre à maîtriser vos pensées, vos émotions, c'est la première des choses, parce que là, vous êtes perdu. Votre cerveau est en mode survie, il fait ce qu'il veut. Et vous repartez ensuite à l'abordage en devenant une femme fatale. C'est une formation, en apprenant le badinage, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, Annabelle? J'espère qu'on vous a touré. Tirer les oreilles. Christophe vous dit, les criseux et criseuses ont tendance de mentir sans remords. Oui, ben, là, on est dans des trucs tout à fait traditionnels. La mienne est devenue mythomane. Vous voyez que on est tous dans les mêmes situations. Les pirates qui bossent sur eux arrivent à récupérer une situation tout à fait traditionnelle. Donc ça doit vous engager à la même jurée sur nos enfants qui n'avaient pas de pansement, tandis qu'il était bien évident. Évidemment, ben oui. Ce que j'adore avec les bébés pirates, c'est « Oh là, moi c'est extraordinaire, hein, moi il me ment de plus en plus. » Ben oui, ben, tout le monde a la crise. Et vous avez les mêmes expériences. Même situation, dit Caroline. C'est normal, ils vivent leur vie sans s'occuper du reste. Voilà, bon, monsieur Golen dit, je rebondis sur tes mots, impression désagréable. Oui, mais ben oui, quand on dit impression, effectivement, ça fait hein, voilà, bon. Ok, ben écoutez, je vous laisse parce que le temps tourne et Cerise est en train de tourner pour venir boire le café dans son super hélicoptère. Demain, on se retrouve pour une nouvelle formation. On va se régaler. Finissez bien la formation cette semaine sur l'état de flow, l'état de flux. Hein, là, on voit qu'Annabelle, par exemple, n'est pas du tout dans l'état de flow. Donc, on va l'aider fort parce que le capitaine, il aide fort les pirates. Et les autres pirates, vous aidez aussi Annabelle parce que ça fait un peu mal. Quand on voit un pirate en difficulté comme ça, alors que la situation n'est pas difficile, on a toujours la même maison, on habite ensemble, la situation n'est pas désespérée, mais qu'on n'arrive pas encore à maîtriser totalement son cerveau, eh bien, on va vous aider parce que vous le méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés. Vous êtes extraordinaires. Vous avez peur et c'est normal. Vous avez des doutes et c'est normal. Vous avez des espoirs parce que vous voyez que les pirates qui ont fait ce qu'il faut, ils sont arrivés et c'est normal. Ben, pourquoi les autres, quand les situations sont les mêmes et qu'on a des méthodes avec très précises et avec des différentes possibilités, ben pourquoi vous n'y arriveriez pas? Moi, je pense que vous allez y arriver si vous faites ce qu'il faut. Évidemment, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est travailler à votre place. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.